Hey, salut tout le monde, c'est Arcon, comment allez-vous les amis? Écoutez, moi je vais merveilleusement bien, et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le quatrième épisode du Top 10 Guest. C'est parti! Venez, bande de salopards! Waouh, waouh, waouh! Oh, calme-toi mon petit Rambo, non? Parce que l'invité d'aujourd'hui, c'est pas toi. Non, aujourd'hui, pour la sortie de son film, en plus qui sort aujourd'hui, l'invité c'est... Richard Beridick, meurtrier. Salut Beridick, j'espère que tu vas bien. En tout cas, on va bien se marrer, on va passer un bon épisode, je pense. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Tu sais qui je suis. Tu sais pas de quoi je suis capable. Désespérant. Les gars, calmez-vous. Stallone, c'est pas grave, t'as pas été pris. Bah écoute, ce sera peut-être la prochaine fois, surtout que t'étais pas très loin de Reddick. Non, aujourd'hui, les amis, je vais enfin vous présenter les nouveaux invités. Désormais, je le ferai au début de l'épisode. Alors, ça y est, à partir de maintenant, il y aura donc deux nouveaux invités pour deux sortants. Le sortant est donc bien évidemment Reddick, puisqu'il est présent dans cette vidéo. Et le second sortant est Schwarzenegger. Désolé à toi, l'ami, malheureusement, tu n'as pas été assez voté durant ces quatre épisodes, donc tu te barres. Voilà, maintenant, le premier invité n'est autre que... Splendide! Et bonjour la classe! Maintenant on va s'éclater! Pourquoi? Parce que j'ai une jeunesse de retard! Ça me fait plaisir mon petit Jim Carrey qui soit là. Et enfin le second invité, vous l'attendiez tous, vous avez tous commenté au moins une fois son nom dans les commentaires alors qu'il n'était même pas présent. Il s'agit d'Homer Simpson. Je dois pas signer une autorisation de droit à l'image? Paraphysie et... Jamais! Dites-moi quand ça passera à la télé, je voudrais organiser une petite soirée. Ouais les amis, maintenant qu'on a nos deux invités, qu'on a notre petit Reddick bien installé à côté de moi, tu prends quand même un petit peu de place, ça je pense que c'est les pompes. On va pouvoir commencer, pensez donc à voter pour le prochain invité, à m'envoyer tous vos clips par message privé, donc à ma chaîne Carcon Gaming, que ce soit du LOL, du What the Fuck, du Fun, du Fail, je m'en fous. Vous m'envoyez tout ça sur n'importe quel jeu, Reddick, on commence. C'est parti. Et on commence assez fort à la 10ème place avec les éclairs 4 sur Skyrim, regardez ça, son cheval est tout simplement claustrophobe. En effet, il panique dans une petite pièce un petit peu sombre. Est-ce que t'as un mot à dire au cheval, Reddick? Me dites pas que vous avez peur du noir. Bah, apparemment, enfin, faut croire que si. À la 9ème place sur Battle Play for Free, Mindtes va nous montrer un soldat assez désarticulé, enfin comment dire, il est tout simplement bizarre. J'imagine les autres. Ouais, si, imagine une armée de gens comme ça, le truc ridicule, ça fait mourir de rire les ennemis, n'importe quoi. À la 8ème place, XSTARRZ40 avec un pseudo toujours autant imprononçable sur GTA San Andreas va nous montrer un petit what the fuck, regardez son tank, alors que GTA 5 va sortir comme à la bonne vieille époque, on dirait qu'il veut faire le tour de l'univers avec son tank. Enfin bref, Reddick, juste envie de te dire un truc, je sais pas pourquoi comme ça, mais je trouve que t'es une petite bite. Vous avez un sacré instinct de survie, j'admire ça chez une femme. Enfin, non mais je suis pas une femme. Enfin bon, tu me perturbes, enfin commente le clip avec moi s'il te plaît. Tu viens de dire que ça éclate de tous côtés dans l'univers. C'est bien cela. Oui, c'est ce que je viens de dire, je pense que c'est la grosse éclate de partout. Imagine des tanks comme ça de tous les côtés, un gros nimble. À la 7ème place sur Call of Duty Black Ops 2, Momo 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiré du 6, va nous montrer un gros what the fuck. Regarde ça, son colis stratégique arrive et se barre. Tu es au courant que tu grinces des dents la nuit? Non mais, tu te calmes, on n'a jamais dormi ensemble, tu vas te calmer. Et commente le clip, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais là? Waouh. Ce dont tu t'empares et tiens. Voilà, ça c'est bien. Bon, c'est un peu nul, mais c'est bien pour toi. À la 6ème place sur Far Cry 3, Assassin's Play va nous montrer un what the fuck digne des plus grands, regardez ça. Une femme de ménage invisible. Ça rime à rien. Ouais, je sais, ça rime à rien, mais c'est une femme de... Enfin, c'est un balai qui passe le balai tout seul. Comme c'est intéressant. Ouais, t'as vu ça? C'est un objet que j'utilise pour ma toilette. Ah là là, c'est vrai que t'as l'habitude de laver les chiottes un peu. T'ignorais à qui t'avais affaire, ma beauté. Bon, on va imposer des bases. Plus jamais ça. Plus jamais ça.
À la cinquième place, un joli bug assez marrant sur Mass Effect 3 de AlexCylon05. Regardez ça, cette femme, du moins ce robot, ce corps éthéré, nous fait une danse alors qu'il est mort. C'est sexy. Ouais, enfin bon, c'est pas tellement mon style de femme, c'est peut-être parce que t'es un petit peu moche que tu dis ça, tu vois. Enfin, après, non, mais t'es pas... Aïe, aïe! À la quatrième place sur Assassin's Creed, Amrak va nous montrer, regardez-moi ce bug, l'ennemi qui est absolument enfoncé dans le toit. En plus, écoutez bien la petite parole qu'il va dire, quoi. Par vendre du poisson. C'est absolument n'importe quoi. Je me demande s'il nous faudrait pas un appât plus important. Ah bah là, pour l'attirer, je pense qu'il faudra un truc encore plus gros. Plus gros que toi nu. Parce que bon, c'est un peu ridicule. D'ailleurs, lâche, c'est gênant. Lâche ça tout de suite. Et on rentre dans le top 3 sur le podium, l'île RAF 1217, regardez ça, sur Call of Duty Black Ops 2, il voit un ennemi alors qu'il voulait emprunter un petit passage secret, il voit un ennemi absolument désarticulé en 1000 morceaux. Parlez de quel morceau? Non mais Riddick, t'as l'esprit pervers, t'as des tendances gays toi aujourd'hui, tu m'inquiètes fortement, et en plus il se fait tuer. À la seconde place, un clip vraiment what the fuck sur Sensros 3 par Team Virtix, regardez ça, une femme assez flippante dans la voiture comme ça qui encastrait une sorte d'exorciste, enfin une femme qui devrait se faire exorciser, c'est... Waouh. Je vous l'ai dit, c'est pas de moi dont il faut avoir peur. Ah oui, là, elle me fait actuellement plus peur que toi, c'est... je savais pas que c'était possible. Rallume tout de suite. Alors, qui je dois tuer pour annuler le contrat qui pèse sur ma tête? Bah écoute, tu dois tuer personne, car à la première place, Zizi te faire sur Black Ops. Premier du nom, regardez ce qu'il va nous faire. Ils se suicident tous, un par un. Tu les as débusqués, tes gros durs. Ah, je sais pas du tout où je les ai débusqués, mais alors là, c'est absolument n'importe quoi, c'est très marrant à voir en tout cas. Des danseuses, t'as embauché des danseuses. N'importe quoi. Ils sont tous morts. Ouais les amis, ce top 10 guest numéro 4 est déjà terminé. J'espérais qu'on aurait le temps de bavarder tous les deux. Ah, bah si tu veux, on pourra parler après. Bon, c'est vrai que tu commences un petit peu à m'inquiéter parce que t'as quand même des tendances gays assez violentes. Je n'ai rien contre les gays, mais toi, ça fait assez bizarre. Bon, bref, les ennemis, j'espère que ce top 10 guest vous aura plu. Sur la Play Comedy Club comme sur ma chaîne, pensez à voter pour le prochain invité, que ce soit Homer Simpson, Jim Carrey, Stallone ou Bruce Willis. Si je me rappelle bien, c'est ça les 4 invités. Vous avez de toute façon les images sous les yeux. Pensez à m'envoyer tous vos clips. Donc pensez aussi à remercier le petit Riddick, parce que là je sens qu'il commence à aiguiser ses couteaux, ça m'inquiète un tout petit peu. En fait Riddick, une petite question, comment, parce que bon, voilà, t'es assez baraque, on t'a vu dans Fast and Furious, tout ça, c'est quand même sacrément, comment tu fais pour entretenir un corps pareil? 10 minutes de footing tous les 36 du mois, et puis les tablettes de protéines, ça maintient. D'accord, c'est tout. Genre, pas de pompe à côté. Parce que moi, tu vois, je fais des pompes et je... Bon, ok. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et à la prochaine, bye bye. Et merci, mon petit Riddick. Petit con.